Et pour aller avec ce corps très très court, une queue très très courte elle aussi. Ici on a une femelle Black Tortie, donc elle a du noir et du rouge en même temps. Il n'y a que les femelles qui peuvent avoir cette couleur là. Les mâles ils seront soit tout noir, soit tout rouge, mais jamais noir et rouge mélangés. Des grands yeux bien ronds, bien orange, avec une couleur bien bien profonde. Une ossature très très solide, des pattes rondes, des pieds ronds et des petites pattes bien solides. Donc c'est la meilleure femelle Black Tortie de cette exposition. On applaudit bien fort. Donc un mâle tout noir avec donc une très 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 jolie collerette, des toutes petites oreilles bien placées pour respecter toujours la rondeur de tête. Quand on met le pouce ici, juste au-dessus du nez, il y a un petit creux qu'on appelle le stop, et un front bien bien rond, des pattes très fortes, des grands yeux bien ouverts et bien oranges. Donc meilleur persan black, noir de cette exposition qu'on applaudit lui aussi. Adulte de 3 ans avec cette belle tête ronde, ses grands yeux largement ouverts et largement espacés, ses petites oreilles bien bas placées, un bon stop bien profond, un front bien bien rond. Quand on regarde de profil, on voit bien le front, le nez et le menton qui sont sur l'exacte ligne droite. Donc un mâle de 3 ans, Red Smoke, avec son un très très joli toilettage. Si la dame le fait un petit peu bouger comme ça, vous allez voir comme les poils, voilà, sont bien. Poil à poil, il a été toiletté. Merci beaucoup. En fait, la même couleur, mais en couleur dense, un rouge, un roux, et sans la base argent qu'on va voir sur le noir tout à l'heure. On montrera le noir en même temps pour montrer la différence. Quel âge il a ? 2 ans et demi, un mâle aussi. Regardez la couleur des yeux, complètement incroyable, vraiment très très orange, dense. Des grands yeux immenses, bien largement espacés. On peut voir la force de la patte ici,
et ici, parce qu'il faut une ossature solide pour tenir un chat aussi lourd, une queue bien courte, et un merveilleux, merveilleux toilettage. Donc, meilleur mâle, meilleur roux de cette exposition, Persan, qu'on applaudit lui aussi bien fort. Tout à l'heure, j'ai parlé du crème silver. On a le black silver ici, donc noir. Et quand vous le regardez comme ça, voilà, le monsieur va montrer, voyez, la base du poil est argent et l'extrême pointe est noire. C'est juste un petit gène rajouté. S'il n'avait pas ce gène-là, il serait de cette couleur-là. En fait, ces deux chats sont de la même couleur, mais ici avec le gène argent rajouté. Donc un black smoke, s'il était avec des rayures, cette couleur smoke, enfin ce côté smoke serait appelé silver, mais ça serait exactement la même chose. On voit bien sa large tête, quand on touche ici, c'est extrêmement solide, vraiment avec une très très bonne ossature de tête, un bon stop, des petites oreilles bas placées, donc meilleur black smoke de cette exposition, ce persan, qu'on applaudit. Sur la couleur de ce chat-là, on a rajouté encore un autre gène qui dit « Tu n'exprimeras ta couleur qu'à l'extrême pointe de ton poil. » Donc, ça donne un chat. Silver Shadow, s'il était encore plus, si on avait l'impression qu'ils sont encore plus blancs, il serait des chinchillas. C'est dans ces couleurs-là, Silver Shadow et chinchillas, vous pouvez remarquer qu'il n'a pas les yeux oranges, il a les yeux verts, et c'est exactement ce qu'on veut. Un petit nez rose, avec le tour du nez bien maquillé, noir, le tour des yeux maquillé aussi. Une extraordinaire fourrure, une petite queue courte, donc meilleur Black Silver persan de cette exposition, ce jeune chaton de 6 mois. On l'applaudit bien fort. Une petite chenille, le même en version poil court, donc on passe sur les deux exotiques shorter. On a exactement la même chose, hein. Une tête tout à fait ronde, un profil tout à fait plat, des petites oreilles bas placées, un front très très rond, mais en version poil court. C'est extrêmement extrêmement doux à toucher. C'est une petite fille de 6 mois, donc une petite chatonne de 6 mois, avec pareil ses grands yeux verts et une ossature forte pour tenir ce corps lourd, une petite queue courte. Meilleur exotique shorter Silver Shadow, cette petite femelle de 6 mois qu'on applaudit bien fort. Et on a les deux versions existantes dans la même couleur, le persan noir et l'exotique shorter noir, avec la tête toute ronde, un stop très très profond, un front bien bombé, un dessus de tête extrêmement large, un petit corps très très court, un très très joli toilettage, regardez comme il brille, une queue très courte, des pattes fortes et solides, meilleur exotique shorter noir, ce petit mâle, qu'on applaudit fort fort. Tout le monde a eu sa coupe. Merci à tous les persans et à tous les exotiques. Nous attendent les poils mi-long, donc l'autre section dans les expos féminines. Donc, est apparu maintenant il y a presque une dizaine d'années les expos de chasse sont ouvertes à l'extrême est, notamment en Russie. On a découvert des races ici qu'on connaissait assez peu parce qu'elles étaient restées confinées dans leur pays, et notamment le sibérien. Le sibérien, c'est un chat qui doit être très très large entre les deux maxillaires, très très large entre les deux pattes avant, et qui a un ventre construit en tonneau. Il doit donner l'impression de pouvoir se déplacer dans la neige sans aucun problème. Donc des pieds ronds importants et une fourrure qui lui permet de se défendre contre le froid. La couleur là
elle est très très longue, c'est Seal Silver point et blanc. Seal Silver, ça veut dire qu'il est noir en fait, avec l'intérieur du poil qui est blanc. Point, ça veut dire qu'il n'y a que les extrémités qui sont marquées, c'est pour ça qu'il a des grands yeux bleus. Et blanc, comme vous pouvez le voir avec son petit rideau. Donc, un Sibérien. Il n'y en avait pas beaucoup dans les expositions, je ne sais pas combien c'est le seul. Donc, meilleur Sibérien de l'exposition, ce mâle de 15 mois. Alors regardez, il s'est encore un chaton, enfin un ado, et il n'a pas fini de se construire et de se bâtir. Donc 15 mois, meilleur Sibérien de cette exposition qu'on applaudit bien fort. Je vous explique. Le Maine Coon, donc comme son nom nous l'indique, il vient des États-Unis. C'est un chat qui doit être rectangulaire, extrêmement long. C'est le chat qui a la queue la plus longue de toutes les races félines. Il a la queue aussi longue que son corps. Des grandes oreilles immenses, haut placées, avec, pour faire sauvage, des petits toupets à la pointe des oreilles. Ça ressemble à un lynx, donc on appelle ça des lynx tips. Un museau bien bien carré, qui sort bien du visage, une ossature puissante pour tenir ce corps. Et un chat qui donne l'impression d'être géant. Le poids n'est pas important, il faut qu'il soit bien bien construit, qu'il soit grand. Mais on ne juge pas au kilo, c'est pas parce qu'il pèse 8 kilos que c'est un joli Maine Coon. Avec cette expression extrêmement bonasse en fait, qui donne envie de le caresser tout de suite. Donc, la sauvagerie, elle est donnée par les oreilles, par le museau, extrêmement rectangulaire, mais un regard qui est doux et gentil. On appelle ça le doux géant, parce que vraiment, c'est un chat qui est sympa et qui est facile à vivre. Donc, meilleur Red Tablier Blanc. Il a quel âge ? Donc, 7 mois, imaginez, il va encore doubler. C'est un chaton, là, qu'on a sous les yeux. Donc imaginez quand c'est adulte, ce Maine Coon, Red Tablier Blanc, qu'on applaudit bien fort. Bébé, on ne voit pas tout de suite que ça va grandir. Là, il a 3 mois et demi. Donc vous voyez, entre 3 mois et demi et 7 mois, ce qu'il faut qu'il mange et ce qu'il faut qu'il bouge pour pouvoir grandir comme ça. Ses oreilles au placé. Son museau bien rectangulaire. Je suis en train de toucher et je vois que c'est vibrisse, les moustaches sont mangées. Elles sont souvent mangées par les femelles. C'est des mères qui sont un petit peu abusives. Elles rongent les vibrisses, comme ça les bébés vont moins loin. Parce qu'en fait, c'est à travers les vibrisses qu'ils sentent leur espace. Et du coup, elle se dit, en bouffant les vibrisses, il va rester près de moi. Alors il y a des femelles qui le font, il y a des femelles qui le font jamais, ça dépend des femelles, ça dépend d'elles. Donc un jeune chaton de 3 mois et demi, lui complètement sans blanc, meilleur. Red Mackerel Tabby, oui, Red Mackerel Tabby de cette exposition. Le grand, il va gagner. Au démarrage des Maine Coon, on ne les connaissait que dans cette couleur-là, et cette couleur-là est blanc, et après, la palette des couleurs s'est agrandie. Donc, Brown Tabby, Blotch, donc Blotch, c'est le dessin. Brown, ça veut dire que le fond de robe, vous voyez, est marron, qui donne un aspect très très sauvage, et rayé. On trouve souvent des chats de maison de cette couleur-là. Ça veut dire qu'en fait, la couleur d'un chat ne fait pas... C'est pas parce qu'on a un chat gris ou bleu que c'est un chartreux. La couleur ne fait pas le chat et ne fait pas la race, surtout. Donc, meilleur Brown Blotch Tabby de cette exposition, ce petit Maine Coon qui a quel âge ? 10 mois. Qu'on applaudit bien fort. La même couleur, en fait, mais avec un gène qui la dilue. Donc il devient bleu, on ne parle jamais de gris chez les chats, on réserve le gris aux souris, on parle toujours de bleu, donc il est bleu tabby, bleu rayé,
On retrouve bien son museau bien bien puissant, ses oreillons, ses petits lynx tips, une excellente ossature, un corps long avec une queue qui va avec son corps, aussi long que son corps, un excellent panache. Là aussi vous pouvez voir le joli toilettage parce que le poil vole. On voit bien ses rayures. Quel âge il a ? Il a juste 7 mois, donc lui aussi, il n'a pas encore 7 mois, donc il est loin d'avoir fini de grandir. Extrêmement agréable à manipuler et à juger. Souvent, je pense que vous vous dites, oh, moi je ne pourrais pas faire ça avec le mien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont manipulés dès le plus jeune âge. C'est parce qu'il vient chez des éleveurs qui les habituent à être manipulés. Ce qui permet comme ça en expo, que ce soit des chats qui restent calmes. Ils sont contents d'être avec nous. Même s'ils ne sont pas absolument ravis, au moins ils se disent, ça va leur passer, je vais attendre. Et puis comme ça, le mauvais moment, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Comme pour les maîtres, dit-il, mais les maîtres, ils choisissent, pas eux. Mais donc, ils sont particulièrement sympas avec nous à nous laisser. C'était des éleveurs dans les années 30 dans la région de Lille qu'ils ont créé. Et ils ont créé le chat en le mariant avec les siamois d'époque, des persans d'époque, etc., etc. Il y a eu toute une construction de la race. Et ils ont construit en même temps sa légende, qui est une légende très très jolie. Vous demanderez aux éleveurs de vous la raconter parce qu'elle est un peu longue, mais elle est très belle. Et dans la légende, ce qui était important, c'est que le chat se posait sur un être qui était en train de prier, qui donc était censé être extrêmement pur. Et du coup, ce qu'il a touché avec l'extrême pointe de ses pattes, cet être pur, c'est resté très très blanc. Donc, une des caractéristiques importantes du birman, c'est ce petit dentage qu'on cherche à avoir extrêmement symétrique, extrêmement précis, qui correspond à des dessins vraiment très très précis. Et qui sont difficiles à fixer, du coup c'est difficile d'avoir un bon birman. L'autre caractéristique, comme il est juste pointé, comme les siamois, il est coloré qu'aux extrémités, il a toujours les yeux bleus et on cherche un bleu le plus foncé possible. Quatre birmans, comme vous pouvez le voir, avec plein de couleurs différentes existantes. Et L'autre chose importante, on va le montrer sur le côté, puisque va venir au milieu, quand on le regarde de profil, il a un petit nez busqué, on dit le mot romain, on veut ce petit nez avec une bosse dessus. Donc toutes les couleurs de birman existent, mais ils sont toujours gantés, toujours avec les yeux bleus, donc ça peut être tabby ou pas, ça peut être de couleur diluée ou pas. Et on cherche un joli contraste entre la pointe des oreilles, le masque, les pattes, la queue et le corps, qui plus reste blanc nacré, mieux c'est. Donc on applaudit ces quatre birmans, bien bien fort. C'est la race, une des deux races françaises, l'autre étant le chartreux. Merci à toutes les quatre, le pyjama d'hiver et le pyjama d'été. Et alors on a là, tout au moins sur ces deux-là, ces deux blancs, parmi les races les plus anciennes qui existent. Le British qui a été travaillé, comme son nom l'indique, en Angleterre et qui est une des bases de la félinotechnie pour nous. C'est une très très vieille race, travaillée par les éleveurs anglais. Et le bleu russe qui a été travaillé en Russie, puis en Angleterre et qui est maintenant travaillé un petit peu partout dans le monde, avec des immenses yeux verts. Et on parle toujours des sept faces plates du bleu russe. Vous voyez, sur les oreilles, rien n'est doux et rien n'est rond sur la face du russe, qui jusqu'à peu de temps s'appelait bleu russe parce qu'il n'existait qu'en bleu. Et maintenant, il y a quelques noirs et quelques blancs, mais c'est le bleu qui est quand même le plus présent. Avec cette couleur verte des yeux complètement incroyable, vraiment mis en valeur par la couleur du poil. Le poil est double et sur l'extrême pointe de chaque poil, il y a une petite pointe argent, ce qui est très très important dans cette race-là. Donc, meilleur bleu russe de cette exposition, cette jeune femelle qui a 9 mois. On applaudit bien bien fort. Les deux British bleus, le British à poil court et le British à poil long.
On veut une tête ronde, quelle que soit la façon dont on le regarde, c'est une pomme. De face, de profil ou de dessus, c'est une pomme. Quand on sur le poil court, quand on met son doigt comme ça, il doit être extrêmement court, poil double, comme une grande moquette, grand passage, une moquette T4. Une queue, les Anglais disent une queue en saucisse parce qu'elle est aussi épaisse du début jusqu'à la fin, assez courte, une très très bonne ossature, des yeux ronds. Et cette expression toujours un peu, c'est pas moi qui ai fait la bêtise, c'est pas moi qui ai fait la bêtise. Je dis toujours un British réussi, on a envie de lui faire un bisou tout de suite parce qu'il ressemble à un ours. Si on n'a pas envie de lui faire un bisou, c'est qu'il n'est pas réussi. Regardez l'expression des deux là, je dirais vraiment des nounours ou des bébés au cheval. Donc, le British poil court, meilleur British bleu poil court de cette exposition, meilleur British bleu poil long de cette exposition qu'on applaudit très très fort aussi. Vous allez chercher beaucoup. Donc, au Canada, il y a maintenant une cinquantaine d'années, dans une portée, toute une portée est née sans poil, une mutation de la poil. Au lieu de les noyer en disant que le Québec sans la poil, il y avait un éleveur français qui est passé par là et qui a racheté toute la portée et qui a travaillé les sphinx, donc le sphinx canadien. C'est pas du tout un chat qui est en difficulté, hein, un toucher c'est extrêmement agréable parce que c'est tiède, très très doux, la peau est vraiment très très douce. C'est un chat qui est très très proche de son maître, qui utilise ses pattes presque comme des mains, regardez comme les doigts sont longs, avec des yeux en forme de citron. Ce qu'on peut dire c'est qu'il faut qu'il entende bien, parce que regardez l'ouverture des oreilles, elle est immense. Et il faut un gros bidon comme il est là. Il ne faut pas qu'il soit élégant, il faut qu'il paraisse un petit peu partout. Et donc le sphinx canadien, meilleur sphinx de cette exposition, bleu et blanc, qu'on applaudit bien bien fort. Un chat extrêmement rare, on en trouve un petit peu au Canada, mais il y a un peu pas clair, on en trouve facilement, à la perme. Donc c'est un chat qui est très très frisé, avec un poil extrêmement doux. Et qui reste super élégant. Il faut qu'il soit bien bien construit, très élégant, très harmonieux, qui donne l'impression de pouvoir danser, en fait, il doit nous faire penser à un danseur, avec quand même une bonne encolure, des oreilles qui donnent l'impression qu'il est intelligent et ouvert. Donc un lapin, chocolat et blanc. Regardez cette frisure absolument partout. Et ce qu'il rajoute à la chose, alors que c'est pas du tout demandé, il a une couleur dure absolument géniale, un vert très très foncé qui est très très beau. Donc le lapin, meilleur lapin de cette exposition, chocolat et blanc, qu'on applaudit bien fort. Des oreilles en croissant de lune, retournées vers l'arrière. Un chat qui doit être équilibré, qui doit être très 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 très... Qui doit être super fort, mais en même temps, tout en restant élégant. Il existe en version poil court ou poil long. Pareil, c'est une mutation qui est apparue naturellement et qu'on a entretenue. Un profil moyen qui est important dans le curl, l'American curl, c'est qu'il doit être extrêmement, extrêmement équilibré. Il n'y a rien qui doit vous retenir l'œil, tout doit vous paraître évident dans le chat. Donc il va s'avancer, on l'applaudit très très fort, meilleur curl de cette exposition. Quand on regarde ce petit chat comme ça, on se dit bah, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qu'il a de particulier, la dame va le montrer, c'est qu'à l'arrière, il n'a pas de queue. C'est un Kurilian Bobtail. On connaissait jusqu'à... Je vous parlais à propos des Sibériens tout à l'heure, de l'ouverture de la Russie qui nous a permis de découvrir des nouvelles races. On a découvert le Sibérien, mais on a découvert aussi le Kurilian Bobtail. On connaissait le Japanese Bobtail, qui est à peu près le même chat, mais en moins sauvage, en fait, en moins proche du sauvage. On a découvert le Kurilian, donc un chat lui aussi bien équilibré. Une face triangulaire mais adoucie, un profil très légèrement courbe, une très très bonne ossature de pattes, un port d'oreille qui est sur le ni trop haut placé ni trop bas placé, et surtout cette bonne fin de queue. Il doit
pas être à l'ours complètement, il doit avoir un petit bout de queue existant et qui tourne, ce qu'on a là ici. Sur le Japanese Bobtail, on dit qu'elle doit être en chrysanthème. Les Russes étant un petit peu moins politiques, ils ne parlent pas de la même façon, mais on a ce joli bonbon comme ça. On applaudit bien bien fort ces quatre représentants de races assez rares. C'est long et tubulaire, avec une queue longue, une attache des queues fines, mais ça doit rester extrêmement musclé. Je parlais tout à l'heure d'un danseur, lui doit nous faire penser à un marathonien. Une encolure grande pour mettre bien en valeur sa tête, triangulaire, avec la pointe des oreilles et la pointe du nez qui font un triangle équilatéral. Des yeux bleus orientaux, et plus c'est bleu, plus c'est beau. Donc, meilleur siamois de cette exposition, petite femelle de quel âge ? Une petite femelle de 5 mois. Il a été toujours très desservi, le siamois, par Walt Disney, qui l'a toujours présenté comme un chat qui fait peur, qui n'est pas gentil, alors que c'est pas vrai du tout. C'est un chat qui est extrêmement proche de son maître, très très intelligent. Il a peut-être un petit défaut, c'est qu'il est extrêmement bavard et qu'il n'a pas une voix particulièrement jolie. Mais à part ça, si vous lui parlez, il vous répond. Et en plus, on comprend très très bien quand il répond ce qu'il veut dire. Donc, meilleur siamois de cette exposition qu'on applaudit bien bien fort. Un corniche rex, pour nous, c'est le lévrier du monde du chat, qui se tient bien bien en rond comme ça. Il a souvent le dos voûté, arqué. Une queue fine, il est bouclé de partout. Un toucher, c'est extrêmement, extrêmement doux. Et la tête forme un œuf avec, à la place des oreilles, deux œufs, haut placés eux aussi. Le profil, c'est deux œufs l'un dans l'autre. C'est sans doute le chat où on demande le plus d'élégance et d'étonnement quand on le regarde. Des grands yeux extrêmement ouverts, bien ronds, avec une expression très, très éveillée. Et cet incroyable pelage frisé. C'est très, très sympathique à toiletter, parce que plus vous le caressez, plus il va faire des frisures et plus mieux c'est. Du coup, le toilettage est extrêmement sympa à faire avec les corniches rex. Donc un corniche rex, regardez-le bien parce qu'on n'en voit pas si souvent. Meilleur corniche rex de cette exposition. Qui est un jeune chaton de... une femelle de 5 mois. Le Singapura, qui est une race qui n'est pas si courante et pas si vieille que ça, on dit que c'est le plus petit chat de toute l'exposition féline. On a vu tout à l'heure le Maine Coon qui était le plus grand, là on voit le plus petit, le Singapura. Le Singapura, avec ses yeux complètement incroyables, plus il a les yeux grands, plus il a l'air étonné, mieux c'est. Et on demande une couleur vieille ivoire, et en fait chaque poil a des barres, et l'ensemble de cette, on voit bien sur les oreilles, là, l'ensemble de toutes ces barres et de ces couleurs de fond et de barres noires donne ce ton vieil ivoire qui est plus marqué sur la tête, là, le bout des pattes et le bout de la queue, et beaucoup moins sur le corps puisqu'il est sépia. Donc, le Singapura, meilleur, il n'existe que dans une couleur, celle-là, meilleur Singapura de cette exposition, la dame va aller au milieu, qu'on vient de montrer, au milieu là-bas, n'ayez pas peur. On applaudit bien fort. Admirez cet incroyable regard, il vous bouffe des yeux ce chat. Un ossicate, il y a très 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 longtemps, il y a eu un petit accident de porte chez un éleveur et il a décidé, il y a maintenant près de 50 ans, de se dire c'est trop trop joli ce qui est arrivé, je vais l'entretenir, je vais faire comme un petit osseux. Et il a réussi à fixer, elle a réussi, parce que c'était une dame, je crois, à fixer cet incroyable dessin de tous ces points extrêmement, extrêmement séparés les uns des autres. Et cet aspect un petit peu sauvage, alors que ce n'est pas du tout un chat sauvage, il n'y a rien de sauvage dans ce chat-là, mais regardez ce regard et regardez cette forme de tête qui donne une impression de sauvagerie, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc un ossicate, ça existe que dans ce dessin-là, mais dans plein plein de couleurs. Ici on a un chocolat.
Et on voit bien ce qu'on veut, c'est que le fond de robe et le dessin soient extrêmement délimités l'un par rapport à l'autre. Et on regarde bien le dessin de tête aussi, qui est extrêmement, extrêmement joli. On voit bien, comme un petit scarabée. Et donc, la queue qui est annelée, puisque c'est un tapis. Donc, meilleur oxycat de cette exposition, chocolat. Et les British qui existent dans toutes les couleurs, là on a un British poil court avec, alors il faut que quand le monsieur viendra au milieu, regardez bien la couleur de ses yeux, parce qu'il a un orange d'une densité absolument incroyable. Il est chocolat mais pas tapis, donc il est chocolat comme lui, mais chocolat lui tapis, chocolat uni, on a envie de croquer parce que c'est une jolie couleur de chocolat. Donc la petite tête ronde, les yeux ronds, les petites oreilles bas placées, un petit corps semi-court avec une queue en saucisse, comme disent les Anglais. Il va aller au milieu et regarder bien ses yeux quand vous applaudissez parce qu'il va vous regarder. Regardez la couleur de danse de ses yeux. Donc meilleur British poil court chocolat de cette exposition, ce jeune mâle. Merci à vous tous.